Et on commence ces informations, Gabriel, par la Banque alimentaire qui lance sa grande collecte annuelle demain. Oui Mathilde, elle se déroule les 24, 25 et 26 novembre. Comme chaque année, vous pourrez retrouver les bénévoles équipés de leur gilet orange dans de nombreux magasins pour récupérer des produits alimentaires et d'hygiène. L'an passé, l'initiative avait permis de couvrir 10% des besoins d'approvisionnement, soit 24 millions de repas pour la Banque alimentaire Paris-Île-de-France. 117 000 bénévoles sont déjà mobilisés. Une collecte d'autant plus importante avec l'inflation, car les prix des ressources augmentent, ce qui fragilise la Banque alimentaire. Vous pouvez aider la collecte pour ça. Rendez-vous sur le site jeveuxaider.gouv. On poursuit ces informations avec une pétition lancée par le maire des Clayes-sous-Bois, Philippe Guiguen. Oui, après le courrier, la pétition, Philippe Guiguen appelle tous les élus de France à signer et à relayer cette pétition pour engager une réforme des mécanismes financiers. En octobre dernier, on le rappelle, il avait déjà adressé un courrier au président de la République pour dénoncer le désengagement de l'État sur les finances des collectivités locales. Et malgré le réchauffement climatique, nous serions de plus en plus nombreux dans les Yvelines à avoir une voiture. Oui Mathilde, je vous en parlais. D'après une étude de l'INSEE, plus on s'éloigne de la capitale, plus la part des ménages équipés d'une voiture augmente. En 2019, le taux d'équipement automobile dans la Grande Couronne était de 83,4% pour 33,5% à Paris. Et alors comment est-ce qu'on peut expliquer cet écart? Et bien justement, selon l'INSEE, tout dépend du profil du ménage. Les personnes qui vivent au moins avec un actif ou qui réside dans une maison détiennent le plus souvent une voiture. L'âge du ménage a aussi son importance car à partir de 55 ans, le taux d'équipement automobile progresse. On poursuit avec une bonne nouvelle, Gabriel. Le 30 novembre prochain, Paris 2024 met en vente 400 000 nouveaux billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, une bonne nouvelle et il faudra être à l'heure parce que les places seront mises en vente sur le site de Paris 2024 à 10h. Elles sont prévues pour assister à n'importe quelle compétition sportive, sauf le surf car la réservation n'est pas obligatoire. Sachez que la vente concernera aussi les rencontres qui étaient en rupture de stock. Pour ce qui est des prix, Mathilde, ils sont plutôt abordables. Un tiers des billets seront à 50 euros et près de deux tiers à moins de 100 euros. J'ai déjà mis une alerte sur mon téléphone, personnellement. D'autres billets sont aussi mis en vente, Gabriel. Ce sont ceux de l'Electric Park Festival. Oui, il s'agit des passes confiance. Si vous faites confiance aux organisateurs et que vous souhaitez prendre vos places avant même de connaître la programmation, c'est possible et ce, dès maintenant. Ces passes confiance VIP comprennent des espaces privés, des bars ou encore un accès gratuit aux animations. Les billets sont disponibles sur shotgun.live. Le festival aura lieu les 30 et 31 août 2024. Vous avez un peu le temps. Merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.